matin! Bienvenue dans un nouveau vlog. Je commence un nouveau weekly vlog cette semaine. J'oublie tout le temps de vlogger à l'école, j'oublie tout le temps de vous montrer qu'est-ce que je fais parce que je me dis tout le temps soit c'est trop niaiseux ou j'oublie totalement. Fait que là, je vais vraiment vous montrer qu'est-ce que je fais. On est lundi et je m'en vais à mon cours de calcul ce matin. Fait que je vous emmène avec moi. Let's go! Alex est un petit peu mort de sa journée. J'ai rien fait. Hein. Alex, t'es où? Je vois juste un sac. En fait, là, mes amis, là, j'ai une crise existentielle. Dis-nous ça. On dirait que je fais une crise de la quarantaine, mais genre, j'ai juste fait. C'est un quarter life crisis. À 25 ans d'habitude que le monde a fou. Moi, je l'ai en avance, ok? Est-ce que vous voulez que je vous raconte mes... Vas-y, dis-nous, c'est quoi tes dilemmes? Problème numéro un, calcul différentiel. Juste le nombre de nos goûts. C'est juste ça le problème, c'est le nom du coup. En fait, là, je sais pas si je le lâche ou je le garde. Là, si je le lâche, qu'est-ce que je vais faire à l'université? Je sais pas. Certificat? Peut-être. Bac? Peux pas. À moins que j'aille faire le bac genre en Outaouais. Non, tu peux faire le bac, c'est juste qu'il faut que tu fasses tes maths à l'université. Oui, il y a ça. Parce que là, je suis vraiment pas prête à mes maths là, on dirait. Il dit qu'il file pas pour les faire en ce moment, comme si tu allais filer à 24 pour les faire. Je vais peut-être me faire une chaîne YouTube, abonnez-vous à moi. S'il y a une chaîne d'ici le moment où je poste la vidéo, il va y avoir un lien. Si vous voyez qu'il y a rien à côté du nom de Alex dans la barre d'infos, à part sur Instagram, ça veut dire qu'il l'a pas fait. Je pense que j'échappe mon cerf. Hello! Non, on a fini à l'avance. On a fini. Attends, j'ai envoyé mon chose puis j'ai fini. Moi, c'est envoyé. Tu m'attends-tu? Si ça prend pas 15 minutes. On descend ensemble. C'est fait, on s'en va. Ça peut, là, je sais pas, il est genre 5h. Ça peut, Alex Gagnon. 5h30. Enfant soleil. Là, je fais tout 5h30, on a fini. Regardez. Envoie ton document, même si c'est flou. Ah oui, envoie ça. Ah ouais. Oui, ouais. Let's go, Colnet, t'es capable. Ah ouais. On a tout. On s'en va, bye! Eh oui! Ça peut! J'ai pas mon dress! Ah, pourquoi ça tient pas? J'ai juste besoin de ta chaise! Non! Ouais! C'est dégueulasse! Tu veux le faire? Qu'est-ce qu'on fait? Il est 6h26 et je viens de terminer de manger. J'ai mangé du spaghetti si ça vous intéressait. Et là, je pense que je vais aller me laver. J'ai vraiment pas le goût de faire mes devoirs dans mon linge aujourd'hui. On dirait que je suis vraiment de même ces temps-ci. Là. Faut que je me mette en pyjama avant de faire mes devoirs. La couette a embarqué direct quand je suis arrivée chez nous. Puis là, je pense que c'est ça. Je vais aller me laver. Puis je vais faire mes devoirs d'anglais parce que j'ai pas fait mes devoirs pour mon cours d'anglais de demain matin. Puis faut aussi que je fasse mes devoirs de maths, mes devoirs de calcul. Fait que je vais essayer de vous montrer ça pendant que je fais ça tantôt, mais là je vais aller me laver en premier. 10h, c'est l'heure d'aller se coucher. J'ai oublié de vous montrer mes devoirs, mais c'est pas grave. J'en ai fait pendant genre 2h minimum. En même temps, je procrastinais beaucoup entre, mais je sais plus combien de temps j'en ai fait. Fait que là, l'appareil est mis, on est prête à se coucher. Puis je vous retrouve demain. C'est OOTD, mon chandail vient de chez Garage, mon par-dessus aussi. Ah, puis mes jeans aussi dans le fond, tout mon kit vient de chez Garage. Je pense que je vais mettre une montre aussi. Ma Danielle Wellington. Fait que grosse journée aujourd'hui. C'est parti! Vaille anglais, je suis vraiment pas déçue. Non, mais oui, elle a viré de bord. Je comprends toujours pas cette statue-là après presque 2 ans ici. Vous existentiel permis, je lâche calcul différentiel tout le temps. Ouais, fait qu'Alex, il me laisse moi et Elise dans le cours de calcul différentiel, toute seule avec des sciences nat de première année. Je suis vraiment sans aucun remords. Sans aucun regret. Pour l'instant, no regrets. On travaille vraiment bien en ce moment, j'adore. Écoute. Tantôt, je suis avec mes repas, je chante au pas perdu. Avec Alice. Je remercie Alice qui embarque dans mes affaires. Des beaux petits throwbacks, là. En ce moment, c'est genre. Je sais pas comment on dit ça. C'est du Sierra, dans le fond, mais il y a une façon différente de l'écrire. Sierra. En tout cas, c'est pas, c'est one-two-step. Beau throwback.
Ça, je l'ai pas fait, hein. Oui, oui, oui. Moi, j'ai fait le A, puis je me suis dit, ça va être beau comme ça. Bonjour. Je pense que je vous ai même pas parlé officiellement aujourd'hui. J'ai juste comme des clips silencieux ou des affaires random parce que, tu sais, mes journées au cégep, c'est pas mal random la plupart du temps. J'ai de faire la vaisselle puis de manger. Il est rendu 8h05. C'est ça qui arrive quand on finit... on arrive de travailler, pas de travailler, mais de l'école à 6h30. Je suis retournée une fois depuis le mois de novembre. Je suis retournée cette fois-là. Puis ça fait 2 semaines que je suis pas allée au gym. Ça doit vraiment que j'y aille. Bon matin, je suis en plein milieu de ma préparation en train de vous parler parce que je me suis réveillée plus tôt ce matin comme je suis supposée faire, j'essaie de m'en aller au gym. Sauf que je me suis fait réveiller par TELUS ce matin qui me dit que mon téléphone est prêt et qu'idéalement il faudrait que j'y aille d'ici vendredi le chercher. Sauf que vendredi, j'ai 50 minutes de trou et je travaille à 5h, donc dans ma journée j'ai aucunement le temps d'y aller parce que c'est comme à Chicoutimi. Puis jeudi, même chose, j'ai 1 heure de trou et je travaille après. Fait que j'ai aucunement le temps d'y aller non plus. Donc ça me laisse juste aujourd'hui. Fait que là, je vais essayer de me dépêcher. Je vais essayer que ça marche puis que je puisse monter à Chicoutimi avant d'aller à mon cours, idéalement. Puis ça va vraiment pas s'améliorer, là, le spot de sécheresse, honnêtement. Je mets de la crème depuis 4 jours, vraiment épais. Puis ça fait rien. Fait que c'est ça que ça donne. Là, je vais essayer encore de le cacher. Fait que là, je finis de me préparer. Je vais déjeuner. Je suis déjà en linge d'entraînement. Je vais courir au gym. Je vais aller déposer mon argent au guichet aussi. Je vais revenir manger ici, puis je vais partir directement. Puis il y a eu des accidents encore ce matin, un beau carambolage sur mon chemin. Fait qu'on espère que ça va être réglé. Je reviens du gym et j'ai commencé à faire mon dîner, c'est-à-dire encore de la soupe Lipton parce que j'ai vraiment pas beaucoup de temps pour manger. Il est 11h41, j'ai pas mangé et il faudrait vraiment que je sois partie à midi pour être sûre de pas être en retard. C'est pas tant un rendez-vous, mais un peu. J'ai dit à la fille que j'allais être là à 1h pour mon téléphone. Sauf qu'il fait vraiment pas beau. Je sais toujours pas si la route est encore correcte. Fait que je prends pas de chance, je pars à l'avance le plus possible. Puis je vais vous montrer parce que j'ai reçu un colis. Je suis vraiment contente, ça donne quand même bien qu'aujourd'hui la fille m'appelle pour mon téléphone et aujourd'hui je reçois ma nouvelle pochette de téléphone. C'est encore une pochette de Case Me, c'est mes pochettes préférées. Là, cette vidéo n'est pas sponsorée par Case Me, mais depuis mon premier iPhone. J'ai des pochettes Case Me, fait que c'est celle-là ma nouvelle, là, c'est la nouvelle collection d'hiver. Puis j'ai vraiment hâte de la mettre sur mon téléphone. C'est fou comment genre ça va grossir. Qu'est-ce que j'ai là, je vais vous montrer la différence entre mon iPhone 7 et comme mon nouveau iPhone que je vais avoir. Je peux mettre mon téléphone dedans puis il reste encore de la place. Voici la différence entre un iPhone 7 et un iPhone XR. Si vous vous demandez quel que j'ai acheté, je vais vous le montrer tantôt. C'est un iPhone XR blanc. Là, je me suis changée, j'ai juste gardé mon chignon d'entraînement. Puis tellement niaiseuse la fille, moi je suis prête à aller au gym. Puis je me rends compte, en rentrant dans le gym, j'ai fait genre, fuck, j'ai pas mes écouteurs. Fait que j'avais oublié d'amener des écouteurs. T'sais, ça aurait pas été grave si j'avais pas eu mes AirPods, mais j'aurais eu mes autres écouteurs. Mais non, je les avais pas. Parce que j'ai pas amené mon sac de gym, j'ai juste amené mes espadrilles dans mes mains. Fait que là, j'avais pas d'écouteurs, pas de bouteille d'eau, puis pas de serviette. Fait que dans le fond, j'avais juste mon linge d'entraînement puis mon sel. J'arrive au cégep et aujourd'hui, je suis à l'avance dans mon cours, pas comme la semaine passée que j'étais arrivée 1 minute avant le début du cours. J'ai mon nouveau sel, fait que je vais aller chercher. Puis la fille, c'était vraiment une bonne vendeuse parce que je m'étais dit que j'allais pas prendre de Apple Care. Je l'ai jamais pris avec aucun de mes appareils, puis je me suis dit que j'allais être correcte. Puis là, elle a réussi à me le vendre. Fait que j'ai pris de Apple Care, j'ai pris la deuxième vitre, puis je me suis aussi pris un chargeur à induction. Fait que let's go, les dépenses, ça m'a coûté genre 500 quelques piastres aujourd'hui. Je vous retrouve après mon cours parce que c'est impossible que je vous filme dans ce cours-là. Si je sors un appareil électronique, le prof va me crier après. Fait que à plus tard. Il est 4h07 et je sors de mon cours, puis le cours a fini encore plus de bonne heure qu'il est supposé d'habitude. Là, on prend pas de pause, puis on est supposé finir à 4h20. Puis on a fini 15 minutes avant. Je pensais jamais dire ça dans ma vie, mais j'apprécie presque le cours de philo. Le prof, il donne vraiment un cours qui est intéressant. Puis comme t'as pas le goût de t'endormir pendant le cours, puis ça fait vraiment différent de mes cours d'avant. Fait que je suis vraiment contente là. Bon jeudi, il est 8h10 et je devrais partir d'ici 5 ou 10 minutes, là, le temps que je me brosse les dents, que j'embarque dans l'auto puis que je parte. Mon cours est à 9h15 aujourd'hui, le même cours toute la journée. J'ai 5 heures de représentation commerciale et ça peut être un petit peu long des fois 5 heures. J'ai juste 50 minutes pour dîner. Puis c'est ça, là, je suis en train d'écouter des podcasts avant de partir avec mon nouveau téléphone. J'essaie de m'adapter à mon nouveau cell.
Ça vous tente de voir un What's on my iPhone, peut-être, si ça vous intéresse. Savoir un peu comment j'édite mes photos, tout le kit, un peu savoir sur ce téléphone-là, ben vous me direz dans les commentaires. Tout d'un coup, ça vous intéresse, je l'ai déjà fait pour mon ancien iPhone il y a 2 ans. Si ça vous intéresse encore, vous me le direz. Ce soir, qu'est-ce qui est vraiment le fun, c'est que je commence à travailler juste à 5h. C'est rare que je travaille le jeudi. Ben, j'ai juste 4 jours de disponibilité dans ma semaine. J'ai du jeudi au dimanche. Sauf que, habituellement, mes 3 chiffres sont vendredi, samedi, dimanche. Mais j'ai pris mon samedi de congé pour aller aux portes ouvertes de l'université. Je vais aux portes ouvertes de l'université Laval avec mon ami Alex parce que, pas cette année, mais l'autre, on s'en va à l'université. Puis, j'aimerais ça savoir maintenant si Laval m'intéresse autant que j'ai l'impression. Puis, aller un petit peu m'informer, tout le kit. Fait que c'est ça. On va aux portes ouvertes. Fait que j'ai pris mon samedi de congé. Fait que je travaille jeudi, vendredi, dimanche. Fait que ce soir, je travaille à 5h. Qu'est-ce qui est le fun, c'est que vu que je finis à 3h, si je travaille à 4, normalement, j'ai pas le temps de revenir chez moi. Puis, faut que j'aille directement à la job, me changer dans les toilettes, puis pas souper. Mais là, ce soir, je travaille à 5h. Fait que je vais pouvoir revenir manger quelques minutes chez moi. Tu travailles pas fort. Excusez, je conçois un outfit pour Elise. Mais c'est pas le moment, il reste une minute avant l'heure de pause, l'heure de dîner. Genre, puis Alex, genre, il donne des outfits. Pourquoi c'est pas que c'est pas? Un petit col pour les rouges, m'en change? Ouais. Okay. À la date, on est vraiment super avancé. Ouais, rouge. On est-tu écœuré, Anso, tu penses? J'en Est-ce que tu veux que je te link aussi ou t'as un compte privé? Un link de quoi? Instagram. Est-ce que ton Instagram est privé ou public? Il est public. Fait que je peux aussi te linker. Fait que si ça vous tente de suivre Anne-Sophie, Alex, Elise et notre compte Finsta à moi Pélise. Les photos sont vraiment cute avec son chum. J'ai vraiment le Non, mais je n'ai même pas su. Elle n'a pas avec. Nous avons le cake pop, comme c'est ici. Et nous avons le cake pop pour us. Oh! C'est celui-là? Bon, ben, il est 4h moins 8 et je suis arrivée de l'école, comme vous pouvez, je crois, comprendre. Puis là, je suis comme étendue sur le divan en ce moment parce que je profite des comme 15 minutes que je peux ne rien faire dans ma soirée. Parce que je m'en vais travailler dans une demi-heure. Quelles sont tes impressions après notre présentation de marketing, Elise? Je pense que ça a bien allé vraiment pour quelque chose. Ça a bien été pour quelque chose vraiment dans les dernières minutes que j'ai comme rempli la moitié du texte hier parce que tout le monde travaillait. Ouais, on travaillait tout hier soir, puis Elise a fait comme une grosse partie du travail. Puis on n'a pas tant travaillé le premier cours, même qu'on n'a pas vraiment travaillé. Travaillé point. Fait que. Tout a été fait à la dernière minute. Il y en a une qui a fait tout le reste du travail écrit, puis il y en a une qui a fait le PowerPoint. Fait que pendant que moi puis Alex on travaillait. Fait que c'est ça. On s'en va en français avec Chantal. Ça filme bien. Je trouve que Anne elle aime ça être dans les meubles. Allô. Il est 2h27, je suis sortie à l'avance de mon cours. Là, tout le monde était presque parti. Il y avait au moins la moitié du groupe qui était parti. Mon cours de calcul, sérieusement l'examen est le prochain cours, puis je suis tellement pas confiante là. C'est les affaires du secondaire, mais je comprends tellement pas. Puis je me sens vraiment niaiseuse dans ce cours-là. C'est la première fois que je filme avec cette lumière-là. C'est comme sunset hour ou presque. En tout cas, il y a presque plus de lumière chez nous. Puis j'ai tellement frette avec mon linge de job que je suis obligée de mettre un gros chandail par-dessus. Mon souper est presque prêt. Encore une fois, on sera pas surpris. Qu'est-ce que c'est ce soir? Pas un vrai souper. Je mange des croquettes et des frites congelées parce que ben je me fais pas de souper quand je vais travailler. Souvent, je soupe pas ou je soupe deux fois. Fait que mettons, je soupe avant de partir un tout petit peu parce que j'ai pas faim. Puis après, ben je remange à genre 10-11h. Mais là, ce soir, je finis à 11h minimum. Fait que c'est sûr que je ressouperai pas. J'adore. J'ai même pas mis de highlight. Puis genre, en tout cas. Feeling myself. Fait que je pense que c'est pas mal là que je vais terminer le vlog. J'espère que vous avez aimé encore une fois me suivre dans une semaine avec moi à l'école. Si c'est le genre de vidéo que vous aimez voir encore une fois, n'hésitez pas à mettre un thumbs up, à me dire quelle chose que vous voulez que je présente plus dans les vlogs, que des fois peut-être que j'oublie, ou des choses que vous aimez voir dans les vlogs, là, tout simplement. Puis c'est ça. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait et on va se retrouver dans ma prochaine vidéo. Bye!